壊れそうな現実を重ねていくんだ、きっと迷わない君を見つけるから、まだ一人きりは広すぎるから、空へかける消えない願いを、答えを求めてさまよう、ゼロと一だけの新しい世界、かすかに支えられていた彩られた奇跡に生まれ落ちた定めをたどり続けても、今は壊れそうな感情を重ねて、salut tout le monde, c'est Player Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sword Art Online Holo Realization, donc je ne sais plus, donc la deuxième saison, je sais plus quel EP on est arrivé, mais on est arrivé loin. Donc c'est parti les amis, let's go. Je me suis permis d'avancer jusqu'au point d'exclamation, il n'y avait rien de palpitant, donc j'ai évité 5 minutes de marche. Tiens, c'est quoi ça? Ah déjà je vois un faucheur cheater, clairement. C'est sûrement la cérémonie qui garde le monstre en vie. Ah! Arrêtons cette cérémonie. Ah d'accord, je dois l'affronter, bah, génial. Décidément, je suis chanceux. C'est un boss en plus, hein. Tu fous ma gueule, sérieux. Pas mal, franchement les filles là, vous avez géré. J'ai pas dit ça à l'épisode précédent, mais là, vous m'avez épaté. Ça va, on l'enlève bien finalement. Oh là 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 là! Oh bah alors là, ouais, on l'a défoncé, on le défonce là, franchement. On garde la même formation, le démon. Il est étourdi! Faut pas perdre le bonus. Ah lui pote est mort. Eh merde, on a perdu. Ah putain le bâtard. On a perdu Ah le bâtard. Ah finalement c'est peut-être la fin les amis. J'ai envie de me concentrer sur lui, putain. Putain, merde, on va crever. Putain, Lisbeth, méchant. Putain. Oh là là, c'est la fin. Ah, fait chier! Ah! Oh yes! Fonctionner du fort! Putain! Pédé! Elle fait un
tiens. Oh, ah, le bâtard, il m'a tué. Vas-y, Lifa, soigne les autres. Putain, fais-le. Oh, c'est bien, Lifa. Bien joué. Ah, mais merde. Putain, on va le tuer, ce PD, ou pas? Voilà. Purée. On devrait pouvoir vaincre le monstre sans trop de soucis maintenant. Bon. Parfait. Bon, du coup, il va falloir revenir tout au début. Ah, ça fait un peu chier, mais bon. Bon, lui, il va falloir se le faire, ce bâtard. Bon, non, c'est lui. Pourquoi je peux pas? C'est pas ce délire, il est mieux mon personnage maintenant? Ah putain, j'ai touché une touche, il fallait pas. Ah bon, là je peux. Tout d'un coup, je peux à nouveau parler. Ah, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça non plus que je veux. Oh, la carte! Voilà. Putain, c'est bon. Merde, comment je peux faire? Ah, il faut que je trouve un déporteur. Bah, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Bon, bah, on a battu le mec. Où on devait interrompre la séance. Donc là on va utiliser un téléporteur, les amis. Et on doit revenir au tout début. Donc je me rappelle où il est, hein. C'était le... Merde. C'était le premier la première tour. En fait la première tour où on a utilisé le souterrain. Ah, par contre, quel tour? Ça, c'est une bonne question. Donc là, on va devoir à nouveau l'affronter. Bon, mais avant, téléporteur. Est-ce que je l'ai activé celui-là? Normalement, oui. Ah, d'accord. Je l'avais pas activé, d'accord, ok. Ça marche. Pourquoi pas? Ça marche. Bon. Ok, ok. Bon, en tout cas, niveau de mon ressenti sur ce jeu, les amis, je suis un petit peu déçu. Je vais vous le mentir. Moi je voulais vraiment Attends, maintenant ça c'est la botte. Quoi? Voilà. Je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment... Ah, c'est encore un coup vendu. Je voulais vraiment des dialogues qui ont complètement rien à voir avec la quête de première. Et là pour l'instant on n'a encore rien eu. Donc ça, je suis un peu déçu. Cela, j'estime que là on a fait un peu le tour du jeu, quoi. Alors, la forêt de Grimm. Bah, je crois que c'est la forêt de Grimm. Bon. Ouais, c'est parti, on va y aller. Hein. Si. Ouais, si, c'est ça normalement. Normalement, c'est ça. Enfin, je l'espère. Hop.
Donc ça, c'était la première zone quand on a commencé. Ah, voilà, parfait. Oh, tu as mis fin à la cérémonie. Oui, et je peux te dire comment. Vraiment, je te revendrai ça. Allez, j'y vais, merci encore. Bon, dans ce cas, c'est parti. Maintenant qu'on a mis fin au rituel, on devrait pouvoir vaincre ce monstre. C'est parti. Par contre... Ouais, je me rappelle plus comment on l'aggro quelqu'un. Comment on cible quelqu'un. Oh. Wow, putain, ombre immortelle. Ça va, finalement, il est pas si fort que ça. Je suis un peu emballé trop vite. Oh putain! Bien joué! Et il nous étourdit ce bâtard! Voilà! On devrait pouvoir passer à la suite. Bon. Il était chiant cet enfoiré. Il était plutôt chiant. Alors. Ah, le scorpion, mes couilles. Soldats errants. Bon, ceux-là, je préfère pas les affronter. Les soldats sont trop cheatés. Alors, où est-ce que ça va m'amener? J'ai reçu un message de Yui. Génial! Liz a ouvert sa boutique. Bah, elle est juste à côté de moi. Il est déjà cette heure-là? Je dois retourner en ville. D'accord. On devrait retourner en ville pour visiter la boutique de Liz. Situation terminée, hop. Alors par contre, attends. Ah, c'est ça la zone. Oh, chaud. Il y a un petit téléporteur en bas. Bah, je crois que ça doit être là-bas qu'on devra aller. Bon, on retourne en ville. Liz a ouvert sa boutique. On va voir ça. Écoutez, moi, je suis pas contre retourner en ville. Hein. Alors, place du téléporteur, donc. Je présume. Alors, si Liz a ouvert sa boutique, ça doit être par là. Dans la rue commerçante. Bonjour, bienvenue à la forge de Liz. Salut Liz, bravo pour ta boutique. Merci, les autres sont venus me féliciter tout à l'heure. Mes compétences ne sont pas encore optimales, mais je vais faire de mon mieux pour me faire une clientèle. Désormais, je viendrai ici. Hé, avec plaisir. J'ai une super idée. Pour célébrer l'ouverture, laisse-moi améliorer ton manteau gratuitement. Ah, oh, vraiment ? Évidemment, je sais comment bichonner mes clients et tu passeras me voir régulièrement, n'est-ce pas? Tu as le sens des affaires, tu sais ça? Très bien, je te donne mon manteau, merci. Tada, et voici un manteau parfaitement amélioré, allez, prends-le. Manteau aux ailes noires. Ok. Merci, Liz. La forge de Liz vous remercie de votre fidélité. Bon, il faut que je mette au boulot... Je me mets au boulot, ces armes ne vont pas s'améliorer toutes seules. En voyant Liz travailler à fond, ça me donne envie de me lancer dans ce jeu à 120%. Décidément.
120%. Bon. Alors, Lise. Ah, c'est pas Lise. Oh. Ah, si, c'est Lise. Bienvenue à Forge Lise. Si vous avez besoin d'un forgeron, vous êtes au bon endroit. Potentiel progrès, habilité, précision, recyclage, savoir-faire. Minutie, intuition, fierté d'artisan, espère de la transformation, espère de novice, de l'amélioration. Amélioration, ah ouais. Putain, j'ai pas assez de gils, ah, je suis trop pauvre ici, putain. À FF15, je suis pauvre. Et à Sword Art Online, je suis pauvre. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Bon bah. Je peux rien, malheureusement. Compétences, j'en ai que 4. Dommage. J'ai 4 points de compétences, j'en ai pas assez. Bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais essayer de retourner à la place du téléporteur. Peut-être qu'une quête va s'activer. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais, voilà, j'avais raison. Super. Du coup, j'imagine que je dois revenir là où j'étais. Oh, coucou, tu es tout seul? Oui, je me demandais où aller ensuite. Si tu es libre, on pourrait peut-être faire des recherches dans le coin pour la quête de première. Je crois que j'ai trouvé un endroit qui pourrait être lié à cette pierre brillante qu'on a découverte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est super! C'est une grotte qui s'appelle le sanctuaire de la pierre. Je me suis dit que ça devait avoir un lien. Le sanctuaire de la pierre, hein? Ça marche. Allons trouver cet endroit. Super, allons chercher première d'abord. Bien le bonjour. En parlant de première, la voilà, Kari. Bien le bonjour. Je pensais qu'il s'agissait d'une forme de salutation, mais à en juger par ta réaction, je l'ai mal utilisée. Non, techniquement, c'est correct. Elle a probablement entendu quelqu'un d'autre dire ça et a voulu essayer par elle-même. Oui, probablement. Que faisiez-vous si ce n'est pas indiscret? Nous parlions justement de toi. Asuna a trouvé une grotte qui a peut-être un rapport avec ta quête. Tu veux partir à l'aventure avec nous, comme la dernière fois? Certainement, cette aventure s'annonce grave mortelle. C'est pas faux, mais... Tu devrais peut-être éviter ce genre d'expression. Vraiment? Dans ce cas, je vais cesser de l'utiliser sur le champ. Bon, allons faire un peu de spéologie. Bonne idée! Attends, Kirito, regarde. Quoi? Là, la jauge de PV de première? Elle est pleine? Tant mieux, non? Pas ça, son nom! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il y a son nom? Quelque chose ne va pas? Ah non, pas du tout! C'est incroyable, son nom est écrit là. L'autre jour, elle me demandait justement comment ça s'écrivait. Elle a peut-être décidé de se l'approprier. Lorsqu'elle l'a choisi, les données ont changé en conséquence. Tu crois? C'est une possibilité. Ah, bien sûr, mais ce serait bien si c'était le cas. Cela fait un moment que vous me fixez tous les deux du regard. Quelque chose ne va pas avec mon apparence extérieure? Non, première, ce n'est pas ça, allons-y. D'accord. S'approprier un nom. Si c'est ce qui s'est passé, on est peut-être témoin d'un phénomène unique. Seul un PNJ comme elle pouvait faire ça. Vous êtes prête? Je suis toujours prête, je n'ai pas d'autres préparatifs à faire. Je suis prête, et devinez quoi? J'ai apporté des sandwichs pour tout le monde. Ouais, les sandwichs d'Azuna. Je me souviens de notre expérience précédente, je souhaite donc manger ces sandwichs moi aussi. Si on trouve un coin sympa pour faire une pause, on s'arrêtera pour les manger. Très bien les amis, en avant!
C'est encore loin, tu crois? On est à mi-chemin. Tu penses qu'on devrait s'arrêter pour déjeuner alors? Oh oui, je commençais justement à avoir faim. On va continuer encore un peu, première. Et on s'arrêtera pour... Ah, regarde, Kirito, sa tête! Hein? Un marqueur de quête? Haha! Oui! On doit être dans la bonne zone alors. C'est génial! Mais nous sommes encore loin de la grotte. Si j'ai raison, cette quête s'étend sur une large zone. Qu'est-ce qui ne va pas, première? J'ai une requête. Bien sûr, dis-nous. J'aimerais aller quelque part. On t'emmènera où tu veux. Le curseur a changé de couleur. Quête acceptée? Aïe. Hein? Tu vas bien? Première? Ce n'est rien, je vais bien. Tu crois que le fait d'accepter sa quête l'aurait blessé? Je ne sais pas. Peut-être, voyons voir ce que dit le journal de quête. Obtenez la protection de l'arbre divin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange, la destination n'est pas du tout le sanctuaire de la pierre. Il faut croire que je me suis trompé alors, désolé. Je ne pense pas, il y a fort à parier qu'il s'agit d'une quête secondaire à accomplir sur le chemin du sanctuaire. En tout cas, on sait où aller. Oui, c'est super. Intéressant. Waouh, cet endroit est gigantesque, vu de près, presque écrasant. Je suis sûr qu'il attira plein de touristes à la sortie du jeu. L'atmosphère est étrange, tout est calme et rassurant, comme dans un sanctuaire, mais ce pouvoir est intimidant. Je le ressens aussi, cet endroit semble solennel, comme s'il attendait quelque chose. Solennel? C'est ici que tu voulais venir, première? Oh, pas mal! Elle prie. Ça doit être ce que voulait dire le titre de la quête. Elle prie pour recevoir une protection. Je ne comprends toujours pas où cette quête est censée nous mener. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup d'indices. Tout ce qu'on a, c'est un caillou qui brille et un arbre sacré. C'est mince. Elle a l'air si sereine. Comme si en priant, elle partait loin d'ici. Tout est si paisible autour d'elle, comme une aura divine, tout est immobile. Divine? Oui. Je me demande pourquoi elle prie. Oh! On dirait qu'on a fini cette quête. Oui, on se rapproche de quelque chose. Bien joué, première, on dirait qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a fait tout ce chemin, allons jeter un œil à ce sanctuaire, c'est peut-être important. D'accord, bonne idée. Première, il y a un autre endroit qu'on voudrait voir, ça te va? Je n'ai pas d'objection. Super, en route pour le sanctuaire de la pierre. En avant marche! Cependant... Oui? J'aimerais déjeuner avant toute chose. Hein? Ça, c'est une fille comme je les aime. Le ventre passe avant tout. En effet. Je ne peux rien objecter à ça. On peut s'arrêter manger ici alors. Oui, faisons ainsi. On est dans le sanctuaire. Cette grotte est profonde. Attends, je vais consulter la carte que nous a donnée Argo. Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Apparemment, on est sorti des limites de la carte, et pas qu'un peu. Quoi ? On serait entré dans une sortie, dans une sorte de zone secrète sans qu'on s'en soit rendu compte ? Peut-être. La dernière fois qu'on a trouvé une zone secrète, il y avait la pierre brillante à l'intérieur. Je pense que Première a ouvert un autre passage secret pour nous. Génial, allons-y. Excellent. Oh. On dirait qu'on est bloqué tant qu'on n'aura pas battu cette chose. Bon, on va se le faire. On va le défoncer. Bah ouais, il fait pas du tout peur quand même. On va se le déconner. Ah, ça faisait longtemps, Azuna. Et si on le démonte? Ok, Première. Putain, j'ai raté. Excuse-moi, Azuna, je suis le maillon faible. Et voilà. Finalement, Azuna, je crois que je vais me la mettre dans mon groupe. Je vais changer Lisbeth et mettre Azuna. Ah, il y a une pièce là-bas. Allons voir, mais restons prudents. Ça alors, une autre pierre? Oui, je savais bien que cette grotte avait un rapport, je l'avais bien dit. Celle-ci brille aussi. Ça nous en fait deux. Mais qu'est-ce que c'est? Hey, il y a une inscription là. Oh, enfin une espèce d'indice. Voyons voir si j'arrive à lire. Ici repose l'une des six pierres sacrées, chacune symbole du pouvoir offert par la déesse. Ok, il y a six pierres. Cette inscription est très ancienne, mais je crois que c'est ça. Ce doit être une vieille légende. Six pierres sacrées, hein. Il nous en reste donc quatre à trouver. Et qui est cette déesse dont parle l'inscription? Tout ce que ça dit, c'est que c'est elle qui aurait offert les pierres. Quant à savoir qui elle est, mystère. Imagine ces premières. Je ne vois qu'une seule personne. Première. J'ai déduit de votre regard que vous avez percé mon secret. Hein? Oh, elle aurait retrouvé la mémoire? C'est vrai, j'ai consommé bien plus de sandwich que ce qui me convenait. Je m'excuse de ce comportement indécent. Quoi? On repassera pour son aura divine. Dois-je prendre une bonne humeur comme le signe que vous m'avez pardonné? Première, tu n'as pas à t'excuser. Qu'y a-t-il de drôle? Je ne comprends pas. C'est rien, on retourne en ville. Tu as la pierre? Oui, je l'ai en ma possession. Six pierres sacrées offertes par la déesse. Encore des questions, à quoi servait cette prière sous l'arbre? Ça n'a pas l'air lié à la quête, mais je réfléchis peut-être trop. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer en espérant que le voile sera levé. Ok, encore quatre pierres. Visiblement. Encore 4 pierres à choper. Ça va être long pour percer ce mystère. Je devrais prévenir tout le monde de ce que j'ai découvert sur la quête de Première. Je demanderai peut-être qu'on se retrouve tous à l'auberge.
Bien. Bon, les amis, on s'arrête ici. On se posera plus cet épisode de Sword Art Online Holorization. Un bon épisode pour le coup. Franchement, nos galères. Ouais, franchement, l'un de mes meilleurs épisodes que j'ai pu filmer sur le jeu. Allez, merci à regarder. Bye tout le monde.